table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do, although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. On se dirige au niveau de l'accueil de Temana Otemoana, donc l'association où travaille Cécile entre autres, et on va rencontrer les gens du terrain qui s'occupent des tortues au quotidien. Ça c'est une tortue à écailles. Imbriquée. Ouais, des tortues mais imbriquées. Ouais. Vertes. Ils sont bien là. On sait que déjà au niveau mondial, les tortues elles ont été impactées par pas mal de menaces, mais l'homme a bien sûr une part très importante dans ces menaces, que ce soit la pollution, bien sûr, il y a beaucoup de tortues qui avalent du plastique. Et l'idée vraiment très très importante pour nous, c'est d'être un site d'accueil pour tortues malades ou blessées, pour que à tout moment, quelqu'un qui observe une tortue marine malade ou blessée puisse nous appeler. Nous la transférer au centre de soins ici et on la prend en charge. Alors cette association donc a monté ce centre de soins pour recueillir les tortues marines et on va donc les soigner, les garder le temps de la nécessaire à la réhabilitation pour les plus chanceuses d'entre elles, le but ultime, les relâcher dans le milieu naturel. Et bonjour, vous voilà enfin à Temana avec toute l'équipe. Ça va? Très bien. Alice. Je m'appelle Vi Stabile et je suis directrice de l'association Temana Otemoana. On est une association qui œuvre pour la protection de l'environnement marin et on fait beaucoup d'éducation, de recherche et de conservation parce qu'on pense qu'allier les trois, c'est ça qui va faire que nos enfants et les futures générations vont bien comprendre comment protéger l'environnement marin. Donc on a une salle éducative ici, alors vous voyez un peu à la polynésienne hein, qui s'ouvre partout. Là vous avez plein de jeux éducatifs. Et c'est vous qui avez conçu tout ça? Ouais, ouais, c'est nous qui concevons, qui créons tous les jeux. Parce que tout ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'aller à la France, alors c'est difficile de comprendre. Donc c'est créer des jeux qui sont adaptés ici. Donc c'est un endroit éducatif où il y a beaucoup de livres, il y a des jeux éducatifs. Il y a une carapace de tortue, il y a des panneaux. Donc c'est le phare éducatif de l'association. À la visite des lieux, on va s'attarder un peu dans un endroit qui s'appelle un faré. C'est une sorte de hutte traditionnelle dans laquelle en fait les Polynésiens se rassemblent. Nous rencontrons Thierry qui est donc un marquisien, sculpteur, et qui est en train donc de faire une frise sur les deux poteaux de l'entrée de cette hutte en fait. Ici qui est représenté le motif Temana Otemoana, qui est l'association qui est ici, j'ai représenté les personnes. Après, on voit bien les tortues qui commencent à grandir, qui prend leur envol. Et le dernier motif en haut, c'est la divinité des tortues, c'est le dieu. En fait, on s'aperçoit à la lecture donc, de la frise que c'est chargé de symboles. Donc en fait, on arrive dans un lieu qu'on va placer sous les auspices de la tortue, qui est une divinité, qui est en tout cas une entité importante ici en Polynésie. Tu veux essayer? Ouais. Allez. Ok, comment je vais? Comme ça? Thierry me confie l'honneur de participer à son travail. Évidemment, moi je ne vis pas ça du tout comme quelque chose de folklorique, ou comme un challenge personnel, c'est très symbolique, évidemment. Donc, c'est un moment qui est très fort. Tu vois, le bruit, c'est pas pareil. Hein. Ouais, le bruit, ouais. Pourtant, on est bâti pareil, je ne comprends pas. Là, on va laisser continuer un peu. On te laisse travailler. Hein. Mais on va revenir. Hein. On va dormir là ce soir. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'à la fin, tu mets ta petite touche quelque part. Ouais, j'adore. On est avec l'équipe de Temana. On est tous ensemble. Et puis tout d'un coup, on voit quelqu'un au loin qui nous fait coucou. Bien, et vous? Et donc on a notre ami Piche qui arrive enfin en Polynésie française et qu'on accueille, on se jette dans ses bras, faut le dire. Ça va? Ah, c'est bizarre d'être mariée. Oh, je suis contente.
On va bienvenue en route. Voilà. Voilà, jeune homme. Forcément. Voilà, tu vas sentir bon toute la journée, c'est magique. Première fois en Polynésie ? Ouais. Non, en fait, on est vraiment dans... Ouais, c'est limite un film. C'est... On arrive, le collier à fleurs, il manque que les vaïnés. Enfin, c'est... Ouais, c'est... On est dans un autre monde. Là, c'est notre salle de soins, là où on fait les soins intensifs, donc lorsque les tortues arrivent. Par contre, on va tous passer dans le PDU, vous connaissez déjà ça. Règles d'hygiène, et là, en ce moment, dans la salle de soins, on a trois tortues. Avec l'équipe de Témana, on va un peu participer aux tâches quotidiennes qu'ils doivent donc faire tous les jours avec les animaux. Et puis parmi ces tâches-là, il y a des mesures qui sont effectuées tous les jours, notamment des pesées. Alors, on va commencer par peser ces deux petites-là avant de leur donner à manger. Ouais, c'est parti. C'est important dans une phase de réhabilitation les peser parce que ça permet de voir comment l'animal évolue, s'il prend du poids et donc ça serait plutôt bon signe. Ou si au contraire, bon, il est plutôt en train d'en perdre et là pour le coup c'est plutôt alarmant. 55 grammes matamoua, on va faire la petite mesure. On a déjà fait ? Non, mais enfin si, je fais sur des grandes. Comme ouais. Ouais, c'est ça. Là on part vraiment à la limite en chapeau et la carapace. Ouais. Attends, je vais la refaire. 7.1. C'est des choses qu'on fait nous aussi au parc, donc c'est des gestes qu'on connaît bien, quoi, donc ça nous est tout à fait familier. Ensuite, on se déplace vers le bassin de transition. En gros, sanctuaire, il y a deux grands bassins, et dans un des grands bassins, il y a des tout petits parcs. Ils vont mettre les tortues en transition, donc des petites tortues qui sont pas encore de taille à aller se battre pour manger du poisson avec les grosses. Et dans ce bassin, en fait, il y a trois petites tortues qu'il va falloir peser, mesurer et ensuite nourrir. Voilà, après l'idée, c'est on attend le moment de calme. Ça bouge pas. Ouais. La balance a l'air de faire des siennes. Sinon, tu sais, moi, je les pèse sur un petit gobelet. Un gobelet ? Un gobelet. Tu sais, tu poses ton gobelet et puis tu poses la carapace comme ça dessus. Là. Hop. Et elle bouge pas. Ah, top. Pour que la pesée soit précise, parce que là, on est au gramme près. Quand on un petit animal qui est grand comme ça, là, ça se joue au gramme près. Il faut que l'animal soit totalement immobile. Moi, pour mes tortues terrestres, j'utilise un petit support, un petit gobelet. Et en fait, on place la tortue sur ce petit gobelet. Et puis, en fait, avec les pattes, elle peut pas bouger. Donc, pour le coup, l'animal est immobile. Il cherche pas à se carapater. Ça. Voilà. Yes! C'est trop bien! Alors au départ, des sortes de hurra, un peu de satisfaction parce qu'on a l'impression que ça marche. Cette taille de cœur. Ah ouais. Voilà. Les nageoires. C'est vrai que non, je pense que le pot, c'est le meilleur. Le pot, ouais. Et en fait, ça marche pas du tout. Parce que la tortue marine, elle a des grandes nageoires et en fait, avec ses nageoires, elle touche le gobelet. Donc, je vais repartir avec ma technique sous le bras. Un peu de nettoyage. Sur les tubes bleus, ça vous dit? Ouais. Charline, elle va vous montrer comment on fait. Donc, du coup, on laisse tomber la pesée et on va aussi leur faire un petit coup de cleaning, en fait. On va faire un petit coup de nettoyage sur la carapace parce que c'est vrai qu'elles ont un peu d'algues sur la carapace. Normal, être exposé au soleil avec de l'eau, ça crée des algues. Alors, quand on est près de l'eau, on le fait aussi avec le sable, en fait. On prend le sable et on le met sur la carapace. Non, bah. Moi je fais ça sur des éléphants. Sur quoi? Sur des éléphants. Sur des éléphants, mais sur une petite tortue. C'est un peu rugueux. Ça me fait un peu penser au nettoyage des défenses des éléphants, ce qu'on peut faire de temps en temps sur Botel. Sauf que là, c'est taille tortue, donc je veux dire, elles ont beau avoir une carapace, elles sont fragiles, il faut vraiment pas frotter. Donc faut être minutieux et c'est vrai que c'est un travail où je suis pas forcément très très à l'aise. J'ose pas trop frotter en fait. Je frotte pas trop. Après, s'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Oh ouais, non, ça va. Il en reste un petit peu. Hein. C'est pas parfait, mais j'ose pas trop frotter. Ouais. Hein. Mais c'est parti, à table. Et donc, juste après ce petit nettoyage, on part en fait remettre les tortues donc dans leur petit bac et on les nourrit. Donc, elles, on peut leur donner ce goût-là comme ça. Pour l'instant, celles qui sont dans les bacs, elles sont entre deux eaux, on va dire. Elles sont pas vraiment aptes à aller toutes seules dans le lagon et commencer à chercher la nourriture. Donc, les petites, quand elles arrivent et qu'elles sont pas prêtes à être vraiment en liberté dans le lagon,
Elles ont des étapes à franchir, différents bacs à différentes profondeurs, jusqu'à finir dans le lagon complètement. Bah du coup, nous, on va aller préparer la nourriture pour les tortues du lagon de réhabilitation. Ok. On a un système mis en place, on va accrocher du poisson, c'est un assez gros truc. On va laisser Charline finir les petites. Avec Alice, elle nous propose d'aller nourrir les plus grosses tortues qui sont dans le lagon de réhabilitation, mais qui sont vraiment dans le grand bassin. On peut pas les nourrir juste à la main, parce que c'est des tortues qui vont après être lâchées, qui vont devoir trouver leur nourriture toutes seules. On prend les poissons, on essaie de les coincer là où il y a des trous. Donc on essaie de les coincer comme ça. Là, moi, je suis aux eaux de la Flèche. Quand je vois le système D avec une roue de vélo qui a été fermée, qui a été lestée avec du sable à l'intérieur, du petit grillage autour. Direct, on se dit, mais attends, mais c'est une super idée d'enrichissement. C'est une super idée d'enrichissement, que ce soit pour les loutres, que ce soit pour les manchots, enfin pour tous les animaux aquatiques que Bérénice a sur son secteur, c'est juste génial. En fait, à la fin, ça donne une brochette de poisson. Très clairement, c'est une brochette de poisson avec... une corde qui passe de chaque côté qui va permettre de descendre cette brochette directement dans le lagon sans que ce soit associé avec la main de l'homme. Allez. C'est très joli et c'est surtout hyper rapide. On les voit du dessus, la transparence du lagon permet de les voir en train de manger. Donc voilà, elles savent et elles n'en perdent pas une miette. Hein. C'est incroyable! C'est-à-dire que brochette pleine, brochette vide. Allez. Ok, on vide un peu l'eau. On va profiter de notre présence et donc des bras supplémentaires pour peser une des deux grosses tortues imbriquées qui malheureusement est aveugle, donc suite aux différents traumas dont elle a souffert avant qu'elle arrive ici. Et donc qui reste à vie dans ce centre de soins. Et aujourd'hui, on va en profiter pour la peser. Emma, t'as pas... Alors c'est vrai que qu'elle est aveugle, bah, tu vois, du coup, elle stresse dès... Ouais. Comparée aux autres, hein, mais elle, dès que tu la bouges, laisse tomber, quoi. Alors Matapo, Mata en tahitien c'est les yeux et le po c'est la nuit, le sombre, le noir et les morts aussi. Donc Matapo en fait ça veut dire aveugle, donc c'est une tortue qu'on avait reçue qui avait une flèche qui transperçait les deux yeux. Donc en général on n'arrive pas à les sauver, elle on y est arrivée. Magnifique. On la met dans une sorte de grande bâche qui est munie d'anses pour pouvoir, en fait, avec ses anses, la suspendre à une balance, à un peson, en fait, et ainsi connaître son poids. Donc il faut suspendre la balance à un poteau ou à une branche et ensuite amener l'animal jusqu'à cette balance. 40. Ouais. On ressoulève vite. Attends. 1, 2, 3. Allez. Voilà, c'est bon. On la met directement dans la bassine. Je pense que c'est super de recevoir l'équipe du zoo de La Flèche parce qu'on est heureux de voir qu'à travers le monde, même si on travaille tous avec des animaux différents, même si on a des objectifs différents, parce qu'il y en a qui sont en captivité, il y en a qui sont amenés à être relâchés, ben en fait on a tous cette passion de transmettre notre amour pour les animaux et faire en sorte de laisser quelque chose à la planète. Parce qu'au fond, on a tous un peu le même objectif, faire en sorte de laisser quelque chose à nos futures générations. Quand tu les touches, en fait, dessous, ça les calme. Donc, on met un torchon, en fait, par-dessus, ça leur cache les yeux et du coup, ça les calme. Ou du coup, tu les masses, en fait, hein, un peu comme là, comme les chats, et ça les calme aussi. Les centres de soins et les centres de réhabilitation sont une façon d'appréhender cette problématique liée aux tortues et de sensibiliser le public. Et je trouve qu'on a besoin de symboles comme ça. Je trouve qu'on a besoin de messages forts, de messages symboliques. Sauver une tortue et demain avoir peut-être la chance de la relâcher dans le milieu naturel, eh bien c'est un moment qui est chargé de symboles et qui peut être porteur aussi d'un message d'espoir en fait. Allez, la belle, vas-y.